Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui, les amis. On va faire un comparatif entre le classique SM57 et la version plus moderne, le Beta 57A. On va faire un test sur une caisse claire et un test sur un amplificateur pour pouvoir comparer les deux. Mais avant d'écouter les tests, c'est important de mentionner les grandes différences entre les deux. Premièrement, les patrons polaires. Le SM57, c'est un cardioïde et le Beta 57A, c'est un super cardioïde. Ce que ça veut dire, c'est que le super cardioïde va être beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis. Il va rejeter beaucoup plus les bruits ambiants. Ça va aussi créer un effet de proximité plus important. L'effet de proximité, c'est plus on se rapproche de la source, plus on va avoir un boost dans les low mid, fait que dans les environs là, de 100 à 200 Hz. Fait que ça, c'est intéressant. Ça va faire des caisses claires puis des guitares qui vont être un petit peu plus chunky dans les low mid. Ensuite de ça, la réponse en fréquence, ben, le Beta 57A va avoir plus de basses fréquences, plus de hautes. Moi, j'ai remarqué aussi qu'il semblait avoir un genre de boost là, dans les mid. Le niveau de sortie du Beta 57 est aussi un petit peu plus fort que le SM57. Le Beta va avoir peut-être un genre de 3 dB de plus de niveau de sortie. C'est pas le jour et la nuit, là, ça fait pas une énorme différence, mais ça va faire qu'on va avoir un petit peu moins besoin de crinquer le préamplificateur pour avoir du signal. Fait que ça peut avoir un impact. Ensuite de ça, la grille. Comme vous voyez ici, on a vraiment une grille, une pleine grille, un petit peu comme un SM58. Fait que si on veut l'utiliser sur une voix, à mon avis, c'est plus approprié parce qu'on va avoir moins de pop à ce moment-là, tandis qu'ici, on est vraiment directement sur la capsule. Ça fait aussi que, comme vous allez voir, ça crée une petite distance entre la capsule et la grille. Comme vous voyez, là, on a la grille est un petit peu plus éloignée. Fait que ça, si on compare là, avec le SM57, ben, le SM57, on va pouvoir le mettre un petit peu plus proche là, de la source. Après, peut-être que dans le design, ça a été fait aussi comme ça parce que, justement, c'est un super cardioïde. Puis pour éviter d'avoir un effet de proximité trop important, autrement dit, un boost dans les low mid trop important. Peut-être qu'ils ont décidé de faire ce design-là pour obliger l'utilisateur à avoir déjà une petite distance entre la source et le microphone. Fait que voilà. Fait que à place là, de vous donner tout de suite là, mon opinion, je vais vous faire écouter les tests AB et à la fin de la vidéo, je vais vous dire ben, mon opinion sur ce que je pense entre la différence, entre les différences là, entre les deux microphones.
vous avez pu entendre, c'est assez surprenant quand même la différence entre les deux. Dans certains cas, moi je préférais le Beta 57 justement à cause du boost dans les basses fréquences, la réponse fréquence plus étendue. Dans certains cas, j'avais l'impression que le SM57 était comme plus flat et peut-être un petit peu plus polyvalent, mais encore là, c'est vraiment touché. Comme vous avez pu en entendre là, sur la guitare électrique, ça change vraiment beaucoup là, la présence dans les hautes fréquences puis notre perception dans le low-end. Sur la caisse claire, tout dépendant comment c'est joué, je trouve que les deux étaient quand même assez similaires, mais encore une fois, on a un petit peu plus de rondeur, un petit peu plus de low-mid avec le Beta 57A, plus de basse fréquence aussi. C'était moins apparent des fois sur la caisse claire, je trouve la différence dans les hautes, mais bon, fait qu'encore une fois, je pense que les deux sont vraiment intéressant. Je pense pas que le Beta 57 vient complètement tuer le SM57, mais très certainement, moi, dans mes prochaines prises de son, de guitare puis de batterie, je vais très certainement utiliser le Beta 57A pour vraiment me faire une meilleure idée. Et vraiment, là, bon, en tout cas, pour ce que moi j'en entends sur la caisse claire, je pense que ça va être vraiment intéressant, ce boost-là dans les basses fréquences, puis la réponse plus étendue dans les hautes. Très certainement, en combinaison avec les autres microphones de la batterie, moi, je pense que ça va être vraiment très utile. Après, c'est vraiment une question de goût. Moi, je serais très curieux de savoir lequel des deux avez-vous préféré et pour quelle raison. Écrivez-moi ça dans vos commentaires. Je trouve ça toujours intéressant de vous lire et de connaître votre opinion sur ce genre de choses-là. Fait que voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.